Cher tonton, j'ai enfin trouvé du travail. Je suis opticien ébéniste. Je fabrique des lunettes en bois pour les WC. J'ai trouvé une jolie fiancée. Elle est très belle à part les dents. À force de tirer sur les feuilles d'artichaut, elle a les dents légèrement en avant. Quand elle sourit, on dirait un chasse-neige. Des dents comme ça, même un lapin, il n'en veut pas. Elle m'a tricoté un pull vert pour me faire une surprise. Quand j'ai vu le pull, ça m'a fait la surprise. Des comme ça, j'en avais jamais vu. On aurait dit une serpillière avec des manches. Et les manches, il y en avait. 5. Elle m'a expliqué qu'au début, elle voulait me tricoter des gants. Elle a réussi à faire ce joli pull grâce aux fiches tricot. Mais à mon avis, elle a dû mélanger les fiches. Au départ, c'était une encolure en V. Elle m'a fait encolure WXYZ. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai l'impression que ça va être le pire. Pour notre voyage de noces, on a fait le pôle Nord, les États-Unis et la Chine en 3 jours. Au pôle Nord, j'ai photographié des Esquimaux. Ils sont faits comme chez nous, il y a tous les parfums. Le deuxième jour, on a visité la muraille de Chine. On se l'est fait en quart et de plein fouet. Les Chinois sont très polis. Pour avoir une chaise, il faut dire « Pardon, monsieur, merci, s'il vous plaît, bonjour. Pouvez-vous me passer une misérable chaise que je dépose dessus mon misérable cucu ?» En Chine, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un embouteillage de vélo. Et ça gueule comme chez nous. Ihoito vélo poussa kono. Et papa roito kono et tout poussa. Taka pousse ta koyota. Aux États-Unis, tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai même vu un chien nudiste. Les Américains sont tellement racistes que quand ils boivent du black and white, c'est dans 2 verres séparés. À New York, ils vivent dans des placards de 50 étages. À l'intérieur, ils deviennent tous dingues. D'ailleurs, ils appellent ça des bulles dingues. Signé ton petit Zorro.